de nouveaux incidents déplorables ont touché le monde du football. Marca nous explique sur sa une ce dimanche qu'un idiot gâche le derby de Séville. Le match entre le Betis et le Séville FC a été interrompu à la 39e minute hier soir. Un supporter a lancé une barre de fer sur la tête de Joan Jordan, milieu des Rojiblanco. Il a été ensuite transporté à l'hôpital pour passer des examens médicaux supplémentaires. Ce matin, le quotidien AS demande aux supporters de s'en tenir au football. On peut très bien voir sur cette première page la taille de cette barre de fer, plutôt pointue, tenue par l'arbitre. Le drame aurait pu être bien pire. C'est honteux pour l'Estadio Deportivo. Le quotidien nous apprend que la guerre entre la Fédération espagnole de football et la Liga complique le choix d'une nouvelle date pour ce match stoppé sur le score d'un but partout. Le feuilleton de l'année continue, qui recrutera Erling Haaland. Pour sport, c'est la guerre finale pour Haaland. Le Barça sait que Florentino Pérez a lancé une puissante offensive pour l'attaquant norvégien avec une offre hallucinante. Mais le club Blaugrana a préparé son plan financier pour convaincre le joueur qui souhaite jouer en Espagne. Haaland la décision, écrit sur sa une Mundo Deportivo. Le média assure que le crack scandinave annoncera bientôt son avenir. Selon leurs informations, Manchester City, United et le PSG sont à l'affût mais pas Madrid, qui ne fera pas d'offre pour lui. Les avis sont donc mitigés concernant les ambitions du Real pour Haaland dans les médias catalans. Un autre joueur de classe pourrait faire ses valises cette année, c'est Paulo Dybala. La Joya s'en joue à titre ce dimanche, le Corriere dello Sport. Très tôt buteur dans le match gagné 2-0 par Juve contre l'Udinese, Dybala ne célèbre pas, et certains pensent même que ses yeux, rivés vers la tribune présidentielle, c'était un message lancé contre les dirigeants de la vieille dame. Avec ce but sans joie, l'affaire Dybala explose pour la Gazzetta dello Sport. Les négociations traînent pour la prolongation de contrat du joueur argentin, ce qui a le don de l'agacer. Selon plusieurs journaux italiens, l'attaquant s'est dit prêt à discuter avec d'autres clubs, ce qui a entraîné un conflit avec ses dirigeants. Comme l'exprime Tuto Sport sur sa une, pour l'instant, c'est une Joya à moitié, qui joue à la Juve. À savoir s'il sera redevenu totalement un joueur un bianconero, les prochaines semaines en paraffant un nouveau contrat. C'est le souhait de son entraîneur Massimiliano Allegri. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah, 29 ans, ne cesse de répéter son intention de rester du côté d'Anfield Road, mais ses prétentions salariales compliquent fortement la situation. Selon les médias anglais, les négociations seraient même aujourd'hui au point mort. Je veux rester, mais ce n'est pas entre mes mains. C'est entre leurs mains. Ils savent ce que je veux. Je ne demande pas des choses folles. Le truc, c'est quand vous demandez quelque chose, et qu'ils vous montrent qu'ils peuvent vous donner quelque chose, parce qu'ils apprécient ce que vous avez fait pour le club. Cela fait maintenant 5 ans que je suis ici. Je connais très bien le club. J'aime les fans. Les fans même. Mais avec l'administration, ils sont informés de la situation. C'est entre leurs mains. Voilà ce que déclarait récemment Mohamed Salah, 29 ans, au sujet de sa prolongation à Liverpool lors d'un entretien au magazine GQ. Actuellement au Cameroun, pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte, l'attaquant des Reux, auteur de 23 buts et 9 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, continue pourtant belle et bien de faire parler de lui en Angleterre. Et pour cause, le Pharaon, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'a toujours pas prolongé avec le club du Merseyside. Selon les dernières informations du Mirror, l'affaire semble même se compliquer, puisque les dirigeants du club anglais refusent, pour l'heure, d'accepter les conditions exigées par l'international égyptien, 75 sélections, 44 buts. À ce titre justement, Mo Salah a ainsi exigé un contrat de 400 000 euros par semaine, et l'ancien attaquant de Chelsea a clairement indiqué lors des négociations qu'il ne pensait pas que ces exigences soient excessives. En élément de comparaison, le numéro 1 de Liverpool s'appuie sur les émoluments d'autres stars en Premier League. Dans ce sens, Cristiano Ronaldo gagne 500 000 dollars par semaine à Manchester United, et ce à l'âge de 36 ans. Tout comme Kevin De Bruyne, qui a récemment renouvelé son contrat à Manchester City et touche aujourd'hui 400 000 dollars par semaine. Et si l'agent de Salah, Rami Abaissa,
utilise ces chiffres pour faire pencher la balance du bon côté. La réponse de Liverpool est, pour l'heure, sans équivoque, non. Cette semaine, Jurgen Klopp déclarait, lui, qu'il se sentait très serein à propos des négociations contractuelles de Liverpool avec Mo Salah, ajoutant même. Il y a, je pense, suffisamment de raisons d'être plutôt positif. De bonnes conversations, c'est ce que je pourrais dire. Ces choses prennent du temps. Personne n'a à s'inquiéter. C'est juste la situation. Bonne conversation ou non, si aucun accord n'est conclu avec le club du Merseyside dans les prochains mois, Salah deviendra à coup sûr une cible prioritaire pour de nombreux cadors européens. Le temps presse chez les Reux, et, pour l'heure, l'écart entre ce que Salah et l'agent Rami Abaissa demandent et ce que Liverpool est prêt à offrir à l'Égyptien reste considérable. Les semaines passent et la situation se crispe. Il aurait été dans le groupe, mais il ne voulait pas. C'est pour cela qu'il n'a pas fait le déplacement avec nous. Samedi soir, Manchester United se déplaçait du côté de Birmingham pour y affronter Aston Villa, 2-2 comptant la 22e journée de Premier League. S'il était déjà habituel de ne plus voir Anthony Martial dans le 11 titulaire, il n'était même pas dans le groupe mancunien hier. Et Ralf Rangnick a tenu à confirmer que c'est l'attaquant tricolore lui-même qui a demandé à ne pas faire le déplacement. Et visiblement, ses propos ont pour le moins agacé le principal concerné, qui a vite répondu sur son compte Instagram. Je ne refuserai jamais de jouer un match pour Man United. Je suis ici depuis 7 ans, je n'ai jamais manqué de respect au club et aux fans, et ne le ferai jamais, a écrit l'ancien de LOL et de Monaco. Des déclarations qui font déjà grand bruit dans les médias britanniques, où l'attaquant français, qui n'a plus joué depuis plus d'un mois, avec la tunique des Reux de Ville, fait la une du Manchester Evening par exemple. Les tabloïds habituels, comme le Sun ou le Daily Mail se régalent aussi de ce nouvel incident, dans un vestiaire où le coach allemand serait de moins en moins apprécié, par Cristiano Ronaldo notamment. Une question qui se posait déjà, et qui se posera encore plus désormais. Quel avenir pour Anthony Martial? S'il avait déjà fait savoir qu'il comptait quitter Old Trafford lors de ce mercato hivernal, force est de constater qu'il n'a pas énormément de pistes actuellement. Un temps fortement envisageable, l'option Séville FC s'est par exemple vite envolée, comme celle du Barça. Affaire à suivre,